Good morning, Alei. Daniel et Tussor, aujourd'hui, le Lunishmat. Amram Yona ben Chana, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Chana Rachel, Shimon ben Eliyahu ve Kuka, ainsi que l'Irfuat Ari Akiva ben Shachar, Rafael Zvun ben Chayam Alia, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Maseret Avot, Perek He, Mishnah He. Asara Nissim Naasu Lavotenu, Bevet Hamikdash. Lo Ipila Isha Mereach, Besara Kodesh. ולא ישריח בשר הקודש מעולם, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, ולא הרא קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, ולא קיבו גשמים אש של עצי המערכה, ולא נצחה רוח את עמודי השן, ולא נמצא פסול בעומר ובשתליכם ובלכם הפנים, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ולא הזיק נחש והקרב בירושלים מעולם, ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלין בירושלים. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. Dix miracles étaient quotidiennement produits à nos ancêtres au Bet HaMikdash. C'est-à-dire, à l'époque du Bet HaMikdash, nos ancêtres voyaient quotidiennement qu'il y avait une aide du ciel particulière, des miracles plus ou moins dévoilés, comme ce qu'on va voir tout de suite, qui se produisaient constamment à l'époque du Bet HaMikdash. Ça a duré 410 ans et 420 ans en tout. Donc, pendant 830 ans, ces choses-là ont été produites constamment. Le premier, c'est « Lohipila isha mereach besar akodesh ». Aucune femme n'a jamais fait de fausse couche à cause de l'odeur de la viande qui brûlait sur l'autel. Vous savez bien, une femme d'abord, une femme enceinte, alors elle a des envies. Et puis, lorsque si elle a elle a tiré très fortement par une nourriture, c'est dangereux au point... À l'époque, en tout cas, je ne sais pas comment c'est vu aujourd'hui dans la médecine aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, c'était une bonne raison pour transgresser même Yom Kippour. Si une femme à Yom Kippour sent une bonne odeur et en a très envie, alors la Gemara raconte de partir d'abord le murmure à l'oreille que c'est Yom Kippour, que c'est pas, ça ne vaut pas le coup, c'est dommage si elle veut, c'est dommage qu'elle goûte, mais si toutefois elle insiste, elle dit j'en peux plus, j'ai très envie, eh ben on lui donnera. Pourquoi? Parce qu'il y a une sakanat nefashot, il y a un danger pour le fœtus qu'il meure. À ce point-là, donc l'envie de la femme enceinte, elle est très grande. Eh bien, quoi de plus agréable qu'une odeur d'une bonne grillade, d'une viande qui grille, comme à l'époque, comme sur l'autel du Beth Amikdash, il y avait une odeur, j'imagine, ça doit être exquis. Eh bien, aucune femme enceinte n'avait d'envie au point où elle était obligée de demander à ce qu'on lui fasse goûter. C'était agréable à sentir, mais malgré tout, ça lui provoquait pas d'envie. D'accord, c'est un peu compliqué précisément. Ça vous intéresse dans le Tosfot Yom Tov. Que serait-il passé si toutefois une femme avait une envie forte? Est-ce qu'on serait monté sur le Mizbeach, lui faire descendre un bout de viande ou pas? Apparemment, c'est un peu discuté. Rashi rapporte que non, on ne serait pas parti le chercher. Il y a sur ça le Tosfot Radashim ici, il soulève que oui, bien sûr, qu'on aurait dû lui faire goûter. Bon, peu importe, en tout cas, on a compris. Ça, c'était le premier miracle. Le deuxième miracle, Velo Yisriach, Besar HaKodesh Me'olam. Aucune viande n'a jamais été Masriach, n'a jamais pourri à jamais. C'est-à-dire, on va expliquer un petit peu mieux de quoi on parle. Pendant les périodes, les jours de pointe, au Beth Amikdash, lorsque c'était par exemple tout le peuple d'Israël qui montait, lorsqu'il y avait, à Pessah même, où il y avait la Gemara rapporte 10 millions de korbanot qui ont été offerts de korban Pessah. D'accord, des millions de korbanot à faire. Lorsqu'on apportait un korban, il faut bien savoir, dans la Torah, le korban, je m'acquitte, moi, lorsque j'apporte mon sacrifice, alors on l'égorge, on verse le sang, et puis, dès qu'on a versé le sang, on a fini d'apporter le korban. Après, bien sûr, il y avait un travail qui était fait en cuisine avec les kohanim, selon le korban, qui devait ensuite dépecer l'animal, puis après le sectionner en partie. Il y avait des parts qui montaient pour le misbéach, pour l'autel, il y avait d'autres parts que les kohanim mangeaient, d'autres parts que des fois c'était les propriétaires qui mangeaient, selon les korbanot, est-ce que c'était un korban ola, korban khatat, hacham, shlamim, d'accord? Maintenant, alors, lorsqu'on avait fini de faire le korban, il fallait ensuite, donc il y avait des parts à récupérer qu'il fallait monter sur le misbeach. Pendant les jours de pointe, il y avait des quantités gigantesques de viande à faire brûler sur le misbeach. Or, on est assez limité. Il y a même si le Mizbeach qui faisait l'équivalent de 28 amot sur 28 amot, je crois, que ça veut dire 14 mètres sur 14 mètres. Il y avait là-bas plusieurs bûchers. Il y avait là-bas le bûcher central, le tapouar. Là-bas, on apportait les korbanot.
Et il y avait bien sûr, il y avait des embouteillages, il y avait trop de viande par rapport au feu qu'on pouvait brûler. Et des fois, la viande restait là-bas pendant 2 et 3 jours même, sur place. Vous imaginez bien, dans les périodes en Israël, il fait bien chaud en été, même quand c'est Soukhot ou Pessah, il fait chaud. Et malgré tout, la viande ne pourrissait pas. Elle pouvait comme ça rester pendant 2 et 3 jours. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Il y a une halakha que, peut-être ceux qui connaissent la halakha, ils savent qu'un korban, il est nifsal belina. Si on laisse passer un jour de plus le korban, même une nuit supplémentaire, dès qu'on a fini la nuit, qu'on était limité, on est limité pour manger un korban. On a 24 heures, des fois 48 heures, c'est-à-dire une journée et la nuit qui suit, deux journées et la nuit entre les deux. Mais en tout cas, en général, on peut jamais laisser passer 2 et 3 jours un korban. Sur ça, le Bartanour apporte quelque chose d'important, que ça, c'est uniquement lorsqu'on n'a pas encore apporté le korban. Mais dès qu'on a fait monter la viande sur l'autel, elle peut rester là-bas stationnée pendant 2, 3, 4, 5 jours, même des fois si c'est nécessaire. Et bien malgré tout, malgré la chaleur, la viande ne pourrissait pas. D'accord ? Ça c'était Velo Isriach Besra Kodesh Amolam. Ensuite, troisième miracle. Velo Nira Zevuv Bevet Amit Bechaim. On n'a jamais vu de mouches dans les cuisines. C'est quoi dans les cuisines ? Il y avait dans l'enceinte de la Hazara, où il y avait l'hôtel au milieu, il y avait sur le côté là-bas les Shulchanot, les tables dans lesquelles on dépeçait les animaux, on sectionnait les parts. Et là-bas, de la viande, de la chair fraîche, vous imaginez bien, vous savez, les grosses mouches. Qui ont des petites couleurs comme ça, un peu bleues, toutes moches, tellement... Les mouches de viande, je crois que ça s'appelle d'ailleurs en bon français. Alors, il n'y avait aucune mouche comme ça qui traînait dans toute la Hazara. Alors qu'il y avait de la chair fraîche, elles auraient dû faire un festin ces mouches-là. Il n'y avait aucune mouche qui traînait, tout était fait bigdusha betahara. Ensuite, Velo Erakeri, le Kohen Gadol, Beyom Hakipurim. Le Kohen Gadol n'a jamais eu de dépanchement accidentel nocturne, de pollution nocturne. À Yom Kippour. Il y avait le Kohen Gadol, donc à Yom Kippour, le travail, tout le service particulier de Yom Kippour ne pouvait être fait que par le Kohen Gadol. C'est pour ça que c'est tout le seder qu'on lit dans le Moussav de Yom Kippour, où il se levait très tôt le matin, il vidait le troumata des chaînes, et puis après il faisait tous les korbanot de toute la journée, c'est un gros travail. Ça ne pouvait être fait que par le Kohen Gadol. Et si toutefois le Kohen Gadol avait eu un épanchement nocturne accidentel, alors il n'aurait pas pu faire le korban le lendemain matin. Et dans ce cas-là, il y avait la Gemara dans Yoma raconte qu'on nommait un Sgan, un second, un autre Kohen Gadol, au cas où il y avait une solution. Mais en tout cas, le problème, c'est que le Kohen Gadol, s'il avait été recalé, il aurait eu honte que tout le monde aurait dit « Ah, il a eu un épanchement, c'est qu'il n'était pas apte, tout ça, ça aurait fait sortir une mauvaise rumeur sur le Kohen Gadol. Eh bien, il y a eu un miracle que jamais ça ne s'est passé que le Kohen Gadol ait vu un épanchement, une pollution nocturne à Yom Kippour. Et ensuite, Velo Kibou Geshamim Esh Shalma Atzea Maharacha. Les pluies n'ont jamais éteint le feu, le bûcher de la Maharacha. Le feu qui brûlait, les différents bûchers qui brûlaient sur la Maharacha. Il y avait, on raconte dans le Maseret Yoma, il y avait sur le toit de l'hôtel, il y avait là-bas plusieurs bûchers. Il y avait D'accord, il y avait plusieurs, il y en avait 2, 3, 4 ou 5, il y a des discussions combien il y en avait exactement. Eh bien, à Yerushalayim, vous savez bien, il y a des fois, c'est l'hiver, ça pleut même des fois très fort. Eh bien, malgré tout, la pluie n'a jamais éteint aucun de ces feux-là. Ensuite, Velonatra Aruach et Amoudé Hachan, le vent n'a jamais vaincu le Amoudé Hachan, la colonne de fumée, c'est-à-dire de l'hôtel, on parle de l'hôtel ici. L'hôtel, il y avait, bien sûr, puisqu'on brûlait de la viande constamment, de jour comme de nuit, on brûlait de la viande, et ça faisait donc plein de fumée. Et bien cette fumée-là, elle montait toujours droit au ciel. Pour quelle raison? Ça rapportait dans le Tiferet Israël cette fois-ci. C'est pour ne pas que les Kohanim aient un désagrément au moment où ils vont faire des korbanot. Vous imaginez bien, imaginez que c'est un jour où il y a du vent, ils sont là en train de vouloir apporter des trucs, et d'un coup, comme quand on fait des grillades, il se prend une rafale de vent avec de la fumée qui lui vient dans la tête, c'est désagréable. Et bien là-bas, il y avait un miracle que pour que le Kohanim puisse faire le service avec joie, avec sérénité, tranquillement, et bien Hachem a fait que malgré les vents qui venaient, la colonne de fumée qui montait de l'autel, elle montait droit au ciel. Ensuite, Velo nimtsa psul ba omer u bishta lechem u lechem apanim. Il n'y a eu jamais de défauts qui ont invalidé les korbanot du omer, du shta lechem et lechem apanim. Le omer, c'est ce qu'on apporte le 16 Nissan. Et tout ça, c'est des korbanot qui nécessitent une préparation plutôt pour une date précise. Par exemple, le omer, il fallait le cueillir, comme ce qu'on dit, le soir
le deuxième soir de Pessah, en fait, on lit toute la pression du Homer, où il fallait partir par la Ktirat à Homer, et toute la nuit on préparait le Corban de Homer pour qu'au petit matin, après avoir fait le Corban Tamid du jour, on apportait des Corbanotes spéciaux, qui étaient le Corban à Homer, en fait, avec, on apportait aussi l'offrande, l'oblation du Homer. Idem encore les Shita Alechem, c'est ce qu'on apportait à Shavuot, ils étaient préparés depuis la veille. Et les Chem Apanim, c'est ce qu'on préparait d'une semaine sur l'autre pour le Shabbat. On les préparait depuis le vendredi, on n'avait pas le droit de les préparer pendant le Shabbat. Et le grand chidouche de la Mishnah, il est de nous dire comme ça. Si toutefois il y avait eu quelque chose qui aurait invalidé ces offrandes ou ces corbanotes, alors on aurait été bloqué, on n'aurait pas pu, on aurait annulé la mitzvah, on n'aurait plus pu l'accomplir, puisque nécessairement, elle nécessite une préparation en chol un jour d'avant pour pouvoir arriver à la date avec ça. Donc celui qui a été nifsal, si toutefois le pain a été nifsal, le korban à Homer ou le lechem à panim a été nifsal, on ne pourrait plus l'apporter. Donc de ce fait, il y avait une protection d'Hachem particulière, qu'il n'y a eu jamais aucun psoul, quelque chose qui a rendu invalide, un incident qui a invalidé ces korbanotes-là. À part ça, on me dit mtsfofim ou mishtachavim revachim. Littéralement, il se tenait debout, tsafouf, très serré, ou mishtachavim revachim, il se prosternait avec largesse. De quoi on parle? On aura l'occasion, les Antachem, bientôt on va commencer le Seder Kochim, vers la fin de Kochim, on apprendra Tamid et Midot, on apprendra comment l'endroit du Bet Amigdash, c'était relativement petit, c'était une histoire de 135 à 70 mètres de long, 75 mètres de long, de large. Là-bas, il y avait tout le Am Israël, et dans là-bas en profondeur, c'était aussi quelques 22, plus 22, plus quelques... Allez, imaginez, allez, grosso modo, ça fait même pas 50 mètres sur 50 mètres. Allez, ça fait 70 mètres sur 70 mètres. C'était ça tout l'ensemble, avec au milieu le Kodesh HaKodashim et l'hôtel. Et tout l'homme israélien pouvait rentrer à l'intérieur de là-dedans. Et il rentrait Béhémet. Phénoménal. Et ben, quand pendant les jours de pointe, pendant les fêtes en général, il y avait tout l'homme israélien qui venait, c'était Omdim Tzfufim. Ils se tenaient très serrés. Littéralement, le mot Tzfufim, ça vient de Tzaf, quelque chose qui flotte. C'est pour nous exprimer que c'était tellement serré que les gens, ils étaient comme ça, tous compressés, ils n'avaient même plus les pieds par terre tellement que c'était serré, tellement qu'il y avait de la pression qui leur venait. Et bien, lorsque venait un moment où il fallait se prosterner, comme à Yom Kippour, il fallait se prosterner et reconnaître ses fautes pendant qu'on était prosterné, par exemple, pour ne pas que celui qui est à côté de moi, qui n'entende des fautes que j'ai faites pendant que je suis en train de pleurer, de regretter mes avérotes que j'ai fait en me prosternant devant Hachem, il y avait un miracle qui se passait, c'est que chacun se prosternait et il avait 4 amotes, il avait 2 mètres aux alentours où il n'avait personne autour de lui. D'accord? Comme si, je sais pas, si on avait mis une caméra cachée, on aurait vu les murs apparemment du Beth Amikdash s'élargir d'un coup, je sais pas comment. Il n'y a pas besoin de voir comment le miracle était produit. Concrètement, ça se passait comme ça. Ils se prosternaient les gens et ils avaient 4 amotes autour d'eux. Ensuite, Velohizik nachash ve'akrav birushalayim me'olam. Aucun serpent ou scorpion n'a jamais mordu et fait causer de dommages, de morts, jamais à Yerushalayim. À Yerushalayim, dans les pays chauds, au Moyen-Orient, surtout à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, j'imagine, il y avait plein de serpents et de scorpions qui traînaient. Et bien malgré tout, jamais on a entendu à Yerushalayim que quelqu'un s'est fait mordre par un d'eux. Il y avait une protection d'Hachem spéciale pour ne pas qu'il y ait de la peine à Yerushalayim. Velo amar adam la chaverot sarli amakom sha'alin birushalayim. Bartonora pour deux interprétations, on va se contenter de la deuxième. La première, je ne l'ai pas assez compris. C'est le même principe, mais un peu extrapolé, je n'ai pas compris tous les détails, donc je préfère juste rapporter la deuxième. Que personne n'a jamais dit à son ami que tsarli amakom sha'alin birushalayim. J'ai pas de place pour dormir à Yerushalayim. Vous imaginez, quand on parle de Yerushalayim de l'époque, il faut bien comprendre, ce n'est pas Yerushalayim à l'extérieur des murailles, c'est à l'intérieur des murailles. D'accord? Dans ce trou là-bas, là. Eh bien, imaginez qu'il y avait là-bas des fois des millions de Bnei Israël qui venaient célébrer le Korban Pessah. Où vous allez les mettre? D'accord? C'était, même si on les mettait un sur l'autre, on aurait de quoi de faire des tours de 20 étages et il n'y aurait pas assez de place encore. Eh bien, malgré tout, il y avait un miracle. Il y avait de la place pour tout le monde. Jamais personne ne s'est plaint qu'il n'avait pas de place, qu'il n'avait pas été assez mesouda organisé pour pouvoir passer la nuit à Yerushalayim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov. Salam.